Ok, c'est parti, bonjour à tous YouTube. Aujourd'hui, on est sur Hornmeet Full l'état. J'ai vu ça passer sur internet, et comme Hand c'est mon main, je me suis dit que je devais essayer. On a les runes déluge de l'âme, goût du sang, arracheur d'âge, soul team, second souffle, surcroissance. On va partir donc avec un percepteur, une dractar, comme ça, là, voilà. Axiomatique, manteau de la nuit, on verra bien. On est sur une petite invade. Je vais retourner sur ma lane. On est contre une Cassiopeia. Potentiellement l'un des pires persos pour faire ma connerie. Et ça va le faire. Comme c'est mon main, au moins je vais pouvoir vous expliquer 2-3 petits trucs dessus, ça peut être sympa. On verra bien, on verra bien. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste que du coup, comme je pars AD, mon Q il fait mal. Et ça c'est cool. Il fait mal à condition que je touche. Puis les dégâts de Horn, du coup, avec ce build sont étonnamment surprenants. Ah bah. Pas nice. Ça c'est chouette. Mais ouais, c'est. Voilà, ça avance au poke. Ils sont dégâts. C'est-à-dire qu'en 6-7 Q à combien? Ouais, 130 HP. S'il a resté niveau 1, 6-7 Q à meurt. On restera pas niveau 1, malheureusement. Un Darius Jungle, il y a un Zac en face, faut que je sois prudent. Bon, mon équipe gagne déjà, bon, ça m'arrange. Ah bah d'accord. On a un petit Yone Rage Kit. Puisque je suis contre un Yone. Regardez, premier combo sur Rand. Hop, vous pouvez faire. Vous pouvez faire le Q et le Z en même temps en fait, et ça camoufle le Q dans le Z. Ou voilà. Je continue le poke. Voilà. Oh. Ouais, c'est bien joué de sa part d'avoir pris le level up, mais. Du coup, j'ai le temps de récupérer mon Q. Ok, le Jace m'a dit good job. Mettre un. Pour glace. Je pense qu'ils ont voulu swap avec la Cassio en fait, je sais pas trop. Pas vraiment. Pour moi ça change rien à mon plan. Et en vrai, même ça m'arrange. Je rigole parce que mon team vient de mettre mauvaise rune, je suis trop bourré pour ça. Hop hop. Ah, le Yone est retourné top. Les gars, je n'y comprends rien. Bonne année, bonne année. Ouf. Oh yeah. Bonne année, ouais, je suis bien d'accord. Le 3 janvier quand je publierai cette vidéo, mais ça n'empêche pas ceux qui n'ont pas vu celle d'hier ou celle d'avant-hier. C'est du temps avec votre famille, très important. Recassiopea, ça faisait longtemps. Ouch. Oh merde. Voilà, bien joué. J'ai tendance à oublier qu'elle gagne de la move speed quand elle tape les gens. Mais c'est pas grave. Moi j'ai eu mon kill sur Yone. J'ai ça comme une victoire. Oh là là, déjà 117 dégâts. Il y a un autre truc que je pourrais vous montrer sur Rand en combo, du coup, à part QZ, vous voyez, vous pouvez donc, j'ai dit, vous pouvez faire Q et Z juste derrière en spammant. Ça camoufle le Q dans le Z un peu. Mais si. Et si vous spammez le E après votre Z, en fait, ça va timer parfaitement pour aller dans le pilier. Hop là, poke. J'ai un bon poke de fou, du coup. Ah merde, j'étais en train de mettre des points dans mon Z. Mais ça sert à rien de mettre des points dans le Z avec ce build. On va foutre mettre des points dans le Q. Poke au max. Ah, yeah. Ah non. J'ai pas l'habitude de. pas l'habitude d'avoir autant de dégâts avec moi. Ok les gars, on a notre dague d'enclé. Le Yone en train de full int. Ah, recall la Cassio. Dans le doute, on va full bush. Mais là, il chie, non? Qui Q win, voilà, hop, voilà. Vous allez pouvoir en application une partie du Z de Horn. Le Z de Horn vous rend invincible au CC quand vous le mettez. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai attendu que le Yone utilise son troisième Q qui bump. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, il m'a pas bump. J'ai juste pris les dégâts, mais voilà. Horn est un peu un counter de Yone en early game. Il commence à avoir des résistances et tout, c'est relou, mais bon. Là, franchement, vu ce qu'il est en train de faire, hop, viens là, toi, voilà, on va prendre surchargeable aussi. Très important la potion rechargeable, si vous pouvez en prendre, prenez-la. Vous allez voir, on va faire un calcul très simple. Potion rechargeable coûte 150 gold, vous la revendez pour 60 au final, donc ça vous revient à 90 gold. Vous donne 2 fois 100 HP, ça fait 200 PV. Ok? Cristal de rubis, c'est 400 gold pour 150 PO. Enfin, ouais, c'est 400 gold pour 150 HP. Donc là, pour 90 gold, vous avez plus que ça, et en plus, ça se recharge. Donc pour gagner vos duels en early game, c'est hyper utile. Donc franchement, n'hésitez pas. Je vais voir si je peux pas. Si je peux pas. Hot.
Lui, c'est un peu en train de... Je ne cherchais pas à me rafraîchir, mais c'est agréable. Rester là, juste pour faire peur aux Ezreal. Bien joué. Ah le Yone est de retour en midlane. Ah, la game, elle est débile. C'est trop marrant. C'est donc ça, le nouvel an. Enfin, deux jours après le... Ah, c'est fantastique. Oh là là, je me suis retourné parfaitement. Je savais qu'elle allait faire ça. Mechanical outplay. Bon, alors, si on compte pas le Yone, même si c'est bien marrant d'avoir un Yone qui rage quitte, ou je pense que ce sera la vidéo que vous aurez parce que c'est marrant et puis c'est chill quoi. Franchement, des fois faut savoir prendre les choses quand elles viennent. Moi je suis content. J'aurais eu vite ma vidéo. Mais c'est cool. C'est sur mon main. Voilà, c'est pas, je pense que c'est parce que c'est sur mon main. Il me le rend bien. Il aime bien quand je le joue. Non, la vérité, pourquoi je vois une vidéo vite, c'est... On sait qu'ils connaissent The Great Review, il a fait une vidéo sur Sea of Thieves. Et du coup, j'y joue avec mes potes. Et on est complètement accro. J'ai envie de redevenir un pirate, là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le main. Toute honnêteté. Pas de mensonge. Je suis complètement accro à Sea of Thieves. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Putain. Oh, let's go. Voilà. Puis la vérité, après, voilà ce que je me prends. Pas normal ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de la one shot. Je vous jure c'est possible. Vous y croyez peut-être pas, mais je vous jure c'est possible. Je touche un Q, elle est morte. Je vous jure c'est réel, elle meurt en un Q là. Enfin, elle meurt avec un combo avec le Q. Ah. Bah mon E est pas parti. Bah si mon E était parti plus vite, en fait j'ai appuyé une première fois, c'est pas parti. Si mon E était parti plus vite, elle mourrait. Je change la one shot en un combo je pense. Après, je pense que j'avais quand même 90% de chance de mourir, mais c'est pas drôle de faire ça en fun beam. Moi je joue pas pour jouer les bonnes actions. Prends les actions. Ça passe. Ça passe pas. Tant pis. Et regardez, il y a Darius. Faut qu'il fasse gaffe parce qu'elle a un R, je crois. Ah. Oh. 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 Bien joué. GG. Ouais, tout le play. Nice dodge. N'oublie pas de complimenter vos alliés. En général, pour gagner les games, ça marche mieux. Je leur hurler dessus. Bah je pense que je vais continuer, je vais rejouer le gameplay de tout à l'heure, hein. On va arrêter mes conneries et je vais la repoke au Q. Ah. Bon. Oh c'est bon, j'ai réussi à proc le Q avec un Zafle. Oh j'ai eu chaud aux fesses. Oh lolololololo. Ah oui, Cassio est là. Ouais. Ah, t'aurais pu y aller Nautilus. Paf. Let's go. Ah. Adieu Nautilus. Tu étais un bon camarade. Ah bah merde. Ah, j'ai essayé de l'aider et je suis mort. J'aurais dû me barrer. Et il y a des jours comme ça. Ouais, BLG. Pas grave, c'est pas grave, une pute. Pas grave, on s'en fout. Le normal game, frérot, je suis en train de jouer en l'état. C'est le problème. T'inquiète. Bon bah, normalement, le Yone était en train de trollolo, mais il a peut-être décidé d'arrêter. Bon, j'ai l'impression que là, moi ça a bien marché parce qu'il y a beaucoup de CC. Je pense qu'avec le Nautilus, moi ça marche bien. Ça a bien marché ce que je fais parce que du coup, il est CC. Je go in, je mets mes patates. Et je vois que la Cassiopée est en train de descendre. Je suis complètement safe vers le bot side. Il y a mon équipe, donc je peux prendre la plaque et partir par le bas. Je vais même forcer, de toute façon, il y a Jace en support. Il va m'aider à prendre les plaques. Tu fais quoi? J'ai réussi à prédire le R, mais. Oh aïe. Oh merde. Là c'est que ça c'est con. Ah, on a super bien joué et... On s'est fait ramasse mietté. Oh non il s'en sort. Oh let's go. Il est pas mort. Nice. Allez-y les gars. Contrez lui. Ah. Bon, l'avantage de Horn au moins c'est que même si je le joue full l'état, de toute manière, il y a quand même beaucoup de CC donc c'est quand même plutôt. Voilà, hop, merci les gars. Un petit mispose. Foncez dessus, bien puni, bien propre. Bien joué l'équipe. Je fasse gaffe là parce que ça fait quand même pas mal de fois que je me fais avoir par Zach. Ce serait un peu idiot de mourir de sa main.
science, Zach. Ok, let's go. Ok, let's go. On n'a pas pu tuer le Zach. Et avec. Hop. Avec comment ça s'appelle la Séraphine. Mais au final, tout finit bien. Et bien, qui finit bien. Ok. C'est bon, il s'en sort. Let's go. Bon. Ok, prochain item. Percepteur. Voilà, la partie se passe étonnamment bien vu la tronche du build. Hein. Non mais Orne qui met des le sens. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries. J'ai un dans 13 secondes, on va peut-être pouvoir punir la Cassio. Ou alors là, je peux mettre une giga arrow. Nice. GG. Je vais aller aider Darius direct, évidemment. On va pas abandonner le frérot. On aide. Ah, Jace, tu l'as ou pas? Il est slow. Il est slow. Let's go. GG. Ok, on peut push pour la tour top. J'ai pas de R. Ce qui est marrant avec ce build, j'ai fait une autre game juste avant. Ce qui est marrant, c'est qu'en late game aussi, enfin, si vous arrivez au late game avec l'arc axiomatique, vous avez votre R toutes les 30 secondes. C'est trop bien. C'était trop... Genre, je prenais un kill. 10 secondes après, j'avais rond R, je prenais un kill. Trop, trop satisfaisant. J'ai trop aimé. Hein, écoutez. Ah. Ok. Ah les gars, je suis désolé. Je suis désolé, je suis pas le meilleur assassin. Le Jace est en train de me battre. C'est complètement débile. Ah, ils ont FF. Bon, voilà YouTube. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo de Horn. Oh là là, un dernier kill pour la route. J'espère que vous kifferez. Oh là là, c'est incroyable. Joyeux Noël, joyeux pack, bonne Toussaint. Passez du temps avec vos proches, je vous montre les dégâts, abonnez-vous, mettez le like. Ah, ils étaient trop sympas les mecs dans mon équipe, c'était trop bien. Ah, je suis de bonne humeur là, ah, j'ai cette quota. Hop là, voilà les gars, petit problème d'enregistrement, du coup je passe dans le menu. Non, c'est juste, je prenais pas l'image, je sais pas pourquoi. Voilà les dégâts, on est top dégâts avec Ornapé, la game, elle était trop bien. C'était trop sympa les mates. En tout cas, merci YouTube. Au revoir, et bisous.